Donc, nous venons de survivre. On va devoir boire. On a 1,12 litre, qui est pas beaucoup. Mais ça nous suffit pour survivre. Il faut qu'on récupère de la bouffe, de la nourriture, mais on n'a pas besoin d'en manger maintenant. On est bien reposé. Il fait quasiment jour. On va sortir. Et on va directement... Voilà, parfait. On va directement aller fouiller le barrage. On retourne au barrage, on cherche pas autre chose. Là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. À part fouiller le barrage. Alors, le barrage est grand. Pour être honnête, je serais... Mais alors, ultra étonné de rien trouver. Je serais vraiment étonné. Et ce qui est bien, c'est que là, on a une carcasse de cerf, on peut récupérer un peu de viande, à condition bien sûr de la réchauffer un peu, parce qu'elle est gelée. Bon, il y a un truc que je voulais faire vite fait, c'est voir lequel est le mieux. On va prendre ça. Le reste pour le moment c'est bon. On va ressortir la lampe. C'est reparti. Bon, maintenant on fouille bien. On fouille bien. Donc on a cet endroit ici. Je serais quand même étonné de ressortir sans allumettes, sans... Genre sans moyen pour faire du feu. Oh, on a une F6, c'est bien ça. Genre aucun moyen de faire du feu, je serais super étonné. Triste aussi. Surtout parce que ça va signer notre arrêt de mort. Parce qu'on peut pas faire d'eau, on peut rien faire. Si on a du bois, on a tout, hein. On a vraiment tout. Mais j'aime pas faire ça. Euh, 58. ...59 quoi. De bizarre. Je dirais 0. C'est la première fois que ça dépasse le 0 quand on revient en arrière. Enfin c'est bizarre. Ok, cool. Trop bien. Je sais pas pourquoi je fouille ces coffres-forts à chaque fois. C'est une perte de temps. Honnêtement. Yeah, on a de l'accélérant. C'est vraiment bien quoi. C'est quoi ça? C'est rien. Si jamais on est trop plein, on va devoir poser des choses. On a une balle encore par terre. Alors le barrage, c'est le barrage Carter je crois. Le barrage fait assez peur. On pourrait vraiment... Oh bien, on a de l'eau. Enfin un soda quoi, c'est cool. Pardon. Le barrage fait assez peur. C'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et honnêtement, à chaque fois que je rentre dans ce barrage, je suis jamais tranquille. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des créatures à l'intérieur du barrage. Mais quand même, pas serein. Pas serein du tout. On est à combien le poids? 27. Je sais, je viens de poser le fusil, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais on est trop lourd. On est trop lourd. On n'a pas de pied de biche, ça c'est chiant. Bon, là il n'y a plus rien. Il y a un bruit d'ambiance vraiment intéressant dans ce barrage. Ok, zéro, vide, ok, on est bon. Ok, go. Continue. Poubelle. Alors on a déjà un fusil. Alors ce qui est bien, le fait d'avoir un fusil, c'est que ça va un peu nous changer le gameplay. C'est-à-dire que en théorie, en intrus, si vous avez jamais joué en intrus, moi j'ai fait quasiment que ça. Le problème que l'intrus, c'est que ça se passe toujours de la même façon. Alors oui, le début est dur, bah vous avez vu, hein, déjà on a failli crever. Hein. Mais c'est pas insurmontable. Par contre le problème c'est que c'est très lent le début. La chose c'est que vous pouvez pas trouver de couteau. Et pas de fusil, pas d'arme à feu. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir crafter un arc. Pour crafter un arc, c'est simple, mais il va vous falloir un couteau pour découper les bois. Enfin, quoi qu'on peut le faire à la scie. Mais il va vous falloir créer des pointes de flèche. Et tout ça, en fait, ça se fait à la forge. Donc il va falloir trouver des morceaux de métal, etc. Et à part ça... il n'y a pas d'arme à part l'arc. Donc vous pouvez pas chasser rien du tout au début. Attends, on dirait The Thing à chaque fois, je sais, je fais la référence, mais on dirait vraiment The Thing, le film de John Carpenter. Extrêmement bon film, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Regardez l'original, celui de 82 je crois peut-être. C'est le premier. Et après il y a le deuxième, c'est pas un remake, ça fait partie de l'histoire, il est bien aussi, mais je préfère le premier quand même, c'est de John Carpenter. Bref, tout ça pour dire que ça tourne en rond. Un truc tourne en rond dans le sens où vous faites tout le temps la même chose. C'est que, voilà, il va falloir faire un arc, et sous, etc, etc. Et c'est lent, et dans un sens chiant, surtout pour moi vu que je l'ai fait plusieurs fois. Donc là, du coup, on n'est pas vraiment pressé par l'envie de faire un arc, par exemple. Donc on n'est pas pressé d'aller à la forge, on n'est pas pressé de faire des têtes de flèches, qui va nous prendre des heures à crafter. Voilà, on n'est pas pressé de faire tout ça, parce qu'on a un fusil, et on peut plus ou moins chasser. Voilà, donc là, on pourrait chasser le cerf, on pourrait chasser le loup, voilà. Et je pense que c'est pas mal, je pense que c'est sympa d'avoir des... un petit changement de gameplay comme ça. C'est une catastrophe, on trouve rien pour faire du feu. La lampe elle est à moitié vidée, même plus. On devrait pouvoir voir maintenant. Alors un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est sortir un moment pour aller voir si on peut faire du feu à l'extérieur avec la loupe. Ça nous aiderait. Bon, honnêtement, pour faire du feu, je préférais rentrer chez nous. Genre, enfin, notre base, notre camp va être... on va passer par là-bas. Notre camp va être la cabane au bord du lac. Donc je préférais faire un feu là-bas si jamais on a la possibilité d'en faire un. On va pas sprinter. Hein. Normalement la visibilité est bonne, hein, il fait pas trop sombre, hein, parce qu'on est en pleine journée donc ça va. Donc, je sais que là on peut faire du feu, le charbon, qu'est-ce que c'est que ça ? une balle. J'ai pas l'habitude aussi de trouver des balles comme ça, donc faut vraiment avoir l'œil. Bon, après j'ai l'habitude de voir des objets, des tout petits objets dans le jeu. Mais faut faire attention. Ok, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, rien. L'ambiance est pesante, hein. Elle est super pesante. Je suis sûr que je loupe des objets un peu. Pas beaucoup, mais je suis sûr que je loupe des petits trucs. Après, le problème, c'est que je peux pas prendre le temps de tout regarder vraiment minutieusement aussi. Il faut que je fasse de mon mieux le plus rapidement possible. Parce que on est pressé par le temps. Quoique pour l'instant ça va, mais tant qu'on peut pas faire de feu, c'est la merde. Aussi le moment où on va pouvoir faire un feu. Donc on a l'opportunité de faire un feu, on va faire plein de litres d'eau en plus. Oui, ça aussi, je sais pas si j'en ai parlé. Oh tiens, ah non, c'est une fusée quoi. Ça, c'est une fusée. Je croyais que c'était un shot d'adrénaline. Quelque chose d'intéressant aussi à faire dans ce jeu, enfin pour votre survie, c'est de... Y'a quoi là? Y'a rien. Non, c'est bon, y'a rien. C'est de faire de l'eau en avance, parce que l'eau, vous en utilisez tous les jours, ça prend... Ça part très vite. Donc si vous arrivez à faire un feu, vous vous mettez dans un coin où le feu peut durer longtemps, donc en intérieur par exemple, et vous en faites des litres et des litres d'avance. Faut jamais tomber à court d'eau. Jamais, jamais tomber à court d'eau. Car si on regarde là, notre vie elle descend quasiment pas. Hein. On a faim par contre, mais grâce à l'eau, elle descend quasiment pas. Mais ouais, ne jamais tomber à court d'eau. Bonjour. C'est quoi ce qu'il a? Bizarre. C'est quoi ça? Cool. Le son est extrêmement bien dans le jeu. Le son, les musiques. Je me rappelle aussi la dernière saison, enfin ma saison à moi de survie et tout ça là. Ils ont rajouté des musiques qui étaient vachement bien. Déjà les musiques de base elles étaient bien, ça on va pas le prendre pas maintenant. Mais ils en ont rajouté encore. Ouh ça c'est bien. Perfect. Vous avez vu on est déjà... Enfin quoi qu'on n'est pas très loin mais... On a bien fait de se vider un peu les poches. Toujours important dans le jeu. Tissu c'est bien. J'aurais dû le laisser, le journal je l'ai jeté mais on aurait dû tout simplement pas le prendre. Il y a aussi, ah oui, il y a des nouvelles choses, il y a aussi des boissons énergisantes, ça aussi ça n'existait pas de mon temps, c'est nouveau. Et on va pouvoir en crafter, je le montrerai à un moment, pas maintenant parce qu'on est un peu pressé. Mais on va pouvoir en faire, je crois que c'est avec des morceaux de d'écorce en fait. Vous pouvez en faire des... Ne pas passer sous les échelles, porte malheur. Vous pouvez en faire des boissons qui vont vous donner un peu un punch en fait. C'est un peu comme les cafés, je crois. Les cafés, ça vous permet de d'avoir votre endurance qui baisse, enfin ouais, l'endurance qui baisse plus lentement, et les boissons énergisantes, je crois que ça vous en donne. Par contre, ça risque, ils disent que ça vous donne mal à la tête après. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors je pense que ça vous booste pendant un moment, puis après ça vous met un debuff ou un truc comme ça. Mais on le découvrira ensemble, c'est bien. Parce que même moi, ça, je découvre des nouvelles choses. Je suis assez étonné par le nombre de balles qu'on a trouvé par contre. J'avoue que je pensais pas trouver autant de balles. Avec le fusil. Wow, une torche, cool. Elle est à combien? %, cool. On n'a pas besoin d'en faire une. Alors après, bah, de toute façon, on n'a rien vraiment à dire. On va parler du feu. Comme ça, ça sera fait. Et vous comprendrez comment ça marche. Alors, quand on va trouver une boîte d'allumettes, il y en aura 12 peut-être, 6 peut-être, je sais pas. Mais à chaque fois que vous essayez d'allumer un feu, avec des allumettes... L'allumette, en fait, si jamais le feu ne prend pas, bah, car c'est pas à 100%, kit de couture, c'est très bien, vous allez perdre l'allumette. Vous allez perdre l'allumette. Donc, il y a un système, c'est de faire une torche, parce que quand vous allumez une torche, en fait, c'est 100%, sauf s'il y a du vent, évidemment. Mais la torche, en fait, va rester allumée. Et si vous essayez de faire du feu avec la torche au lieu de l'allumette, du coup, vous allez pouvoir réutiliser la torche, même si le feu loupe en fait. Et vous allez pouvoir continuer à utiliser la torche jusqu'à ce que la torche s'éteigne. Et si jamais votre torche est quasiment morte, bah, vous en faites une autre. Vous posez la première sur le sol. Il n'y a rien. Et vous allumez la nouvelle. Donc vous pouvez faire ça. Très bien. Donc voilà, ne surtout pas essayer d'allumer des feux, par exemple, avec les allumettes directement. Sinon, vous avez un risque de perdre toute la boîte, en fait. Si vous n'avez pas de chance avec les pourcentages, vu que c'est un peu aléatoire, ça reste des pourcentages, vous avez une chance de perdre la boîte d'allumettes au complet. Tout simplement. Donc c'est la merde. Ne surtout pas le faire. Enfin, si vous pouvez, quoi. C'est... je sais pas quoi dire. On a fait le barrage en entier. On a 0 allumette. Oh, oh mon dieu. Alléluia. On en a 12 en plus. Oh, je vais pleurer. Oh mon dieu. On a 12 allumettes. Oh putain. Oh, un faitout. Yes. C'est bon ça. Un bol en métal. Je me suis dit, c'est peut-être nouveau. Oh mon dieu. Ah, j'aurais dû prendre. À chaque fois je me fais avoir. À chaque fois je pense que c'est l'inverse. Non, on aurait dû prendre la porte en fait. Parce qu'on va devoir refaire le chemin. Je vais vous montrer. Bon bah on a 12 allumettes, c'est bien. Et on a une torche. On n'a pas besoin d'en créer une. Enfin, après j'ai de la... comment ça s'appelle? Du combustible pour lampe, et on a du tissu et on a du bois, donc on peut faire nos propres torches. Donc on peut faire des torches à 100%, c'est ça qui est bien. Donc il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il nous faudrait maintenant... c'est de la viande en fait, c'est pouvoir cuire de la viande. Non, on va prendre cette porte. Parce que, bon, je veux bien qu'on fasse de l'eau, c'est vrai que c'est important, mais... ah, il va faire froid sûrement. Vous voyez, des fois, il y a le symbole rouge en bas à droite. Alors ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. C'est pour vous montrer la, des chutes, un risque d'entorse, en fait. Un risque de se faire une douleur, c'est ça. On va passer par là. Attention, pas tomber. Putain, chaque fois quand je passe... Oh la vache! Doucement... J'ai peur, ça fout les poules, cette merde. Oh mon dieu, elle est repoussée en plus, j'ai l'impression, contre le... Ok, on est bien, on est presque, on est presque. Je tease. Oh pourquoi elle fait... Pourquoi elle fait ça? Oh mon dieu. De quoi je parlais, moi? Je sais plus. Oui, oui, le symbole, c'est pour vous montrer qu'il y a des risques de... Vous pouvez vous faire mal, en fait. Des risques de... des entorses, des trucs comme ça. 47 minutes, c'est pas assez. Là, déjà, c'est trop long, et puis on a froid, et puis merde. Reste cool. Ça va, on rentre. Un peu par là, c'est par la fenêtre. La fenêtre qui est là. Tada! On est de retour ici. Vous voyez pourquoi on aurait dû prendre la porte en fait en premier? Chaque fois je fais la même erreur. Bon. Bon, bon, bon. Alors, maintenant il va falloir prévoir ce qu'on veut faire. Il va falloir bien prévoir. Donc il y a une tempête à l'extérieur, donc c'est no bueno pour rester à l'extérieur. Ok, ça, ça marche. On a quelques carcasses, on a vu qu'il y avait quelques carcasses de cerfs sur le chemin, il y en a une qui est pas loin du barrage. On pourrait récupérer la viande. Le problème, encore une fois, c'est qu'il y a une tempête à l'extérieur. No bueno, il fait trop froid. Pourquoi je dis no bueno, je sais pas. Je sais pas, pour donner un style peut-être. Ce qu'on pourrait faire... peut-être... C'est chasser un cerf ou un loup. Chasser un cerf ou un loup. Pour récupérer la viande. Ça pourrait être une solution. Alors, si vous n'êtes pas au courant, le fait de manger de la viande de carnivore est pas bon parce que vous risquez en fait d'avoir mal, d'être intoxiqué, d'avoir des vers et tout ça, des trucs comme ça. Par contre, si vous en mangez une fois en une journée, enfin vous allez avoir genre 1%. La première fois que vous en mangez, vous allez avoir 1% de chance, donc c'est quasiment rien. Je suis jamais tombé malade avec 1% personnellement. Donc vous pouvez manger un gros steak en fait de carnivore, de loup, d'ours par exemple, et après manger autre chose jusqu'à ce que les 1% disparaissent. Si vous continuez en fait à manger par dessus, à chaque fois vous prenez par exemple un petit morceau de viande et vous le mangez, les pourcentages vont augmenter et à un moment ou à un autre vous allez tomber malade et là c'est la merde et vous allez mourir sûrement. Donc donc c'est un problème si vous en mangez trop. Mais si vous faites comme moi, genre manger un gros steak en une journée, tout ça, ça peut, vous pouvez survivre avec ça. Je pense que je vais devoir réfléchir sur comment on va faire les choses. Il y a 1 kilo. Minutes. Oh putain. Attendez. Je vais voir si on peut pas... je sais pas, travailler nos vêtements, quelque chose pour se réchauffer. Et peut-être qu'on va prendre le... Peut-être qu'on va prendre 1 kilo de viande. Je sais... Ah là là, ça m'embête, je sais pas vraiment ce qu'on peut faire. Ça on va le faire, on va le fabriquer, comme ça on pourra en faire du thé, quand on fera de l'eau. C'est ça le... Une tisane revigorante, ça vous donne de l'énergie ça. On va avoir froid. On va avoir un peu froid. Ok. Alors ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il est quoi, midi ? À peu près. Je pense que le plus safe serait tout simplement d'aller dormir, genre 1 ou 2 heures, je crois. Parce qu'il fait déjà il fait froid. Oh la vache. T'es sérieux? Ok, le plan. Le plan. Parce que maintenant, bon, on a un peu d'eau de réserve et tout ça. Bon, on a tout visité, on a tout regardé. On a un peu d'eau en réserve. On a ça. On a 600 et 900, ça c'est bien. Donc on va les garder de côté, on va les emmener avec nous pour aller les faire cuire. On a un peu de viande et on a de l'eau surtout. Ça, ça, ça. Donc on peut dormir, on peut se permettre de ralentir le processus, d'aller doucement. Faire tomber ça. Voilà. On peut se permettre. Donc du coup ce qu'on va faire, je pense, c'est dormir 1 ou 2 heures le temps que ça se calme. La tempête et qu'on se réchauffe surtout parce qu'on a très froid. C'est ça le problème, c'est qu'on a très froid. Et on est lourd. Je sais que ça prend du poids. La tempête s'est calmée mais il doit faire encore froid. Je pense pas qu'on puisse poser plus de choses que ça. Non, on va pas poser plus de choses que ça, c'est pas grave, même si on fait une entorse, c'est pas grave. Par contre, les vêtements, est-ce qu'on peut les rafistoler un peu? Tissu réparé, 30 minutes. Alors ça aussi c'est très important, c'est une fois que vous avez des vêtements, faites en sorte qu'ils soient de bons pourcentages, car si jamais ils arrivent à 0, bah c'est perdu en fait. Faut qu'on boit, merde, j'avais pas vu. Et vous pouvez plus les réparer en fait. Là on a tout fini, on a plus d'eau. Mais on a encore ça, donc ça va. Donc ça c'est très important aussi. Ah, il nous faut du tissu, on en a plus. Ah ouais, ouais. Des coussins. Ah non, les coussins, il faut les couper. Vêtements. Ah, ça fait du cuir, ça on le prend. Bon, je crois que ça suffit, sinon on va perdre du temps pour rien. Donc comme j'ai dit, on va manger un petit bout et on va dormir à peu près 2 heures. Et après on va complètement foncer et retourner chez nous en fait, on va pas s'arrêter. dort 1 heure, 2 heures, 2 heures, 2 heures, on va faire 2 heures. On va voir combien on a le temps. Et on fonce. 2 heures. Ouais, 2 heures, c'est pas mal. C'est parti. Et on rentre chez nous. Oh, I could eat a horse. Je pourrais manger un cheval. Alors, risque d'entorse. Encore une fois, c'est parce qu'on est trop, on porte trop de choses. Alors il y a un truc, c'est ça, c'est l'odeur. Alors on va déjà. Ouais, ok, je pense que le temps est bon. Aussi, quand vous sortez des bâtiments, mettez-vous toujours accroupi, ça évite que les loups, les prédateurs en fait vous directement vous spotent. Et ça vous laisse un peu de temps pour réagir. Ok, on va prendre des champignons. Ok. Alors je vais faire des pauses, genre je vais pas parler pendant un moment, parce que il y a des loups. Il y a des loups tout le long du chemin. Alors, où on passe par un chemin que je connais, ou alors on reprend les rails. J'ai envie de passer par ce chemin-là parce que c'est plus rapide. Personnellement. Et bah, ça nous fait de la découverte aussi. On a un cerf, par contre je vais prendre tous les champignons parce que bon, il fait froid, mais il fait pas trop froid. Donc on va en profiter. On a encore un peu d'eau, on a des... alors ce qui va se passer... Attendez, bon, elle n'est pas trop fatiguée non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter. Alors, elle est à moitié, quasiment à moitié. Le temps qu'on arrive, le temps qu'on rentre chez nous, elle va être à moitié sûrement, fatiguée je pense. Et ce qu'on va faire... On va récupérer des trucs. Ce qu'on va faire... On va faire un feu. On va créer une torche. Comme je l'ai dit, on va faire un feu à l'intérieur du bâtiment. En haut, au premier étage, comme ça on va pouvoir faire cuire 2 fétous. On va pouvoir utiliser 2 fétous. Faire cuire de l'eau dedans. On va faire de l'eau d'abord. Et on va complètement créer du surplus d'eau. On va faire au moins 10 litres. Avec de la chance. Avec de la chance, on peut faire au moins 10 litres. Et j'espère qu'on va aussi pouvoir faire la viande. De la viande. On va faire cuire la viande aussi. On a... Là, non. Alors ce que je suis en train de faire aussi, c'est pousser les cerfs. Putain, évidemment faut qu'il... Oh la vache, ne touche pas trop. Bon ben d'accord. Ok, c'est pourri. Je pensais pouvoir faire pousser en fait les cerfs, les 3 cerfs vers notre camp, mais non, pas du tout. Bon ben voilà. Au final, ben, on les a dispersés, super. Normalement ils restent toujours plus ou moins aux mêmes endroits, sauf s'ils décident de bouger un peu. Je pense que c'est mort. Alors de cet endroit là, il fait soleil en plus. On va pouvoir faire un feu. On fera un feu à l'extérieur je pense. Dans cette direction là du soleil. Il y a aussi des sortes de bungalows, tout ça, pour ceux qui travaillent dans la forêt, pour les bûcherons et tout ça. Et c'est possible aussi d'avoir pas mal d'objets. Cette zone, je la connais bien, c'est ça qu'on a vraiment l'avantage, c'est que cette zone, je la connais quand même vraiment bien. Donc, à un moment, on va devoir y aller pour aller visiter. Par contre, on perd le soleil, je pense pas qu'on arrivera à la maison avant que le soleil se couche. C'est un peu chier. Parce que je voulais faire du feu. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est faire du feu ici. Allumer une torche. Garder la torche allumée jusqu'à la maison. Le problème, c'est que s'il y a un coup de vent, on va perdre la torche. Du coup, bah, on aura perdu une allumette pour rien, quoi. Donc, ça vaut pas vraiment le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va prendre ça. Juste au cas où. Okay. Alors du coup les plumes c'est... Attendez parce que là il y a beaucoup de loups. Et on a un odorat assez élevé, vous voyez on a 2 sur 3. Parce qu'on a de la viande qui est pas cuite. J'ai bien l'impression qu'on va se taper un loup sur la gauche, directement. Je sais pas pourquoi. Ouh, je crois qu'il y en a un devant. Non, c'est un poteau. Tout va bien, c'est des hallucinations, ça va. Du coup, les plumes, c'est moins grave. C'est moins important de les prendre maintenant. Pourquoi? Parce que les plumes servent à faire des flèches, en fait. Pour faire des flèches, il faut d'abord les bons bois, après il faut les faire sécher. Il faut des plumes, et après il faut les points de flèche en fer, du coup. J'entends des ouh, pas bon ça. Je pense qu'il y en a un près de chez nous, on va devoir l'abattre. Je pense qu'on va devoir l'abattre. Alors le truc c'est que si on le loupe, le bruit devrait lui faire peur, il devrait partir. Le fusil aussi a été retravaillé, la mécanique du fusil, j'ai vu, dans ce nouveau patch. Genre maintenant vous avez une chose d'endurance pour le loup. Qu'est-ce que je raconte? Pour le fusil. Donc vous pouvez pas, par exemple, rester à cibler pendant 3 heures. Vous avez une endurance qui part. Vous voyez en bas à droite. Et aussi votre... Il n'y a rien, j'ai l'impression. Ça va. Votre visée est gravement atteinte si... On va essayer de faire du feu à l'extérieur. Ouais, on va faire du feu à l'extérieur. Si vous avez froid, si vous avez faim... Du feu. Donc du coup si vous avez froid par exemple vous allez trembler, si vous avez faim vous n'allez pas vraiment bien viser. Donc là on utilise la loupe hein, pour faire du feu. Oh putain je crois qu'il y a du vent qui se lève. Non me dis pas qu'il y a du vent qui se lève. Je vais juste récupérer une torche. Putain. Vite. Prendre une torche, ok, c'est bon. Voilà, je voulais juste simplement une torche en fait, je voulais pas plus que ça. Je voulais pas plus que ça. J'utilise la torche, très bien. Merde, j'utilise les billets, non ? Merde, je suis en train de brûler les billets, non, mince. De toute façon ça sert à rien, c'est juste pour du combustible. Mais bon, c'est marrant de garder les billets comme ça. Oh merde, ça va vraiment les brûler. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, très bien. De l'eau, 2 litres, cuillère, de l'eau, 2 litres, cuillère. Donc, fondu dans 1 heure. Ça fera 4 litres d'eau, mais bon, quand même, c'est long. Hein. C'est bien long. Ouais, on est bon. Le feu à l'extérieur, on s'en fout un peu. Il doit être éteint de toute façon. C'est juste pour prendre des torches au cas où. Des braises. Non, on peut pas. Alors on peut le refaire partir parce qu'il n'est pas éteint. Il y a des braises encore, donc on peut. Mais si on met du combustible, bon bah ça, le feu repart. Mais nous on n'en a pas besoin. Nous on n'en a pas besoin. Donc on fait pas de feu en bas exprès. Alors, on a laissé le fait tout, c'est bien. On fait pas de feu en bas exprès parce qu'il n'y a qu'une seule place. Donc nous on fait du feu ici. Alors après on pourrait faire du feu en bas et au-dessus, mais bon. Niveau je gaspille des ressources, ça se pose bien quoi. Non, on va garder ça là. Quoique non, on va poser les choses en bas. Par contre le bois on va le mettre en haut. Tout ce qui est bois. Ça. J'ai que ça en bois. Si, ça. Voilà. Très bien. Alors là, le temps que. 40 minutes, 1h12, on va mettre un peu plus de combustible. Deux heures, ok. Le temps que ça fasse ça, on va se vider un peu les poches. Alors par contre, il va commencer à faire nuit. On risque de pas avoir grand chose. Alors ce que je vais faire, moi, je pense que je vais rester dans le noir. Mais bon, on aura quand même les choses. On verra quand même avec le feu. Désolé, je suis en train de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Ça, on jette. Ça, on en fait ça. Parce qu'on va faire aussi du thé. Ça, on jette, ça, on jette. On va en garder un seul sur nous si jamais on doit faire... voire deux, parce que c'est pas lourd. C'est combien? Aucun. Deux. Si jamais on est en expédition et qu'on doit faire de l'eau. Okay, getting a bit thirsty. Celui-là, on le pose. C'est embêtant qu'il fasse déjà nuit. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut garder un feu qui dure un petit moment. On peut dormir 1 heure, le temps qu'on fasse de l'eau. Et après, on recommence. Métal, cuir, plumes, parce que les plumes on s'en fout. Le truc qu'on peut faire aussi c'est ça en fait. Médical avec le médical. Pansement on le garde sur nous. Ça on est bien, les caisses on n'en a pas besoin non plus, on va les poser. On va les poser, c'est bien. Marteau, poser aussi, on n'a pas besoin. On va garder la scie par contre. La scie oui, on en a besoin, on a 7 balles et on a le truc il est chargé à 10 et on a 7 balles de côté. Honnêtement c'est beaucoup de balles, hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait récupérer autant de balles. Je suis assez impressionné même. Un peu le tri. On est à 22 kilos. 22 kilos en normal, ça on pose. Ça on pose. Je pense que pour les gants, le mieux ça serait cela. Parce que... Ah, il nous faut du tissu, merde. Je sais pas si on va avoir le temps de le réparer. Commence à faire complètement nuit. C'est chiant ça. J'aime bien faire comme si c'était vivant en fait. Ouais, c'est bon, on a tout. On va remonter au feu parce que j'ai pas envie qu'on fasse de la merde et qu'on le laisse s'éteindre. Bouillir, ça c'est de l'eau non potable et ça sera bouilli dans 26 minutes. On est bon. On va boire ça. Voilà, très bien. J'ai envie de mettre ça. Voilà, 12 heures quasiment. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je pense pas qu'on aura le temps de réparer ça. Ah, quoique non, si, on est à côté de la lumière. Non, on est à côté du feu, tout va bien. On peut le faire. Ah, très bien. Ça protège plus... Quoique, 4 protections. C'est pareil en fait. C'est pareil sauf que le pourcentage est... À la limite, ces gants sont mieux, les autres. Merde. Alors prendre, prendre. Bah merde. La chaleur est pas leur point fort. Mais là, les moufles polaires sont moins bien, quoi. C'est fou. C'est fou. Je sais pas quoi faire. Là. Je sais pas quoi prendre. Échec. Attendez, faut regarder le feu. On n'a pas assez de combustible, on doit en mettre ça. J'ai l'impression qu'on va devoir casser des choses. Chaise. 45 minutes. Ouais. Voilà, très bien. Bouillie dans 43 minutes. Voilà. Elle n'est pas vraiment fatiguée. Là, ça va être tranquille, honnêtement. Hein. Là, je vous préviens, ça va... on va... là, c'est le moment cool. Hein. On est relax. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Il nous faut encore du tissu. Fait chier. Pas de tissu. Attendez, faut que je prenne la bonne torche. Voilà. Parce que je vois rien. Un tissu là. Il n'y a pas grand chose honnêtement. Il n'y a vraiment pas grand chose. On va casser plus de choses. 2 heures, du tout moins. Ah, c'était peut-être une petite chaise en fait. Non, on pourrait faire ça. Caisse. C'était peut-être pas chaise que j'avais lu, c'était peut-être caisse en fait, non? Je sais pas. c'est bon, ok c'est bon. On va faire cuire ça. Après dans 45 minutes, on va essayer de faire exactement pareil qu'après dans 45 minutes. Elle commence à être fatiguée. On va déposer l'eau pour le moment ici. Normalement, je la mets en bas l'eau. Hein. Mais là, on commence à avoir pas mal de kilos sur nous en fait. Voilà, très bien. Bon ben... Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Ça se passe bien. Ça me fait un peu chier pour les glands. Là ça protège pas de l'humidité par contre. Et là ça protège moins du vent. À la limite on va rester avec ça pour le moment. Ça on va les poser par terre. On va les mettre là. Ouais non les vêtements ça va. Faut qu'on couse encore un peu. Faut du tissu. Faut qu'on récupère du tissu, 32 minutes, 30 minutes ça marche. Tissu. Voilà. Alors cette façon de faire cuire aussi, si vous laissez cuire par exemple, vous laissez brûler votre viande, vous allez perdre votre viande. Combien c'est? 15 minutes derrière la réparation. Vous allez brûler votre viande, donc faut faire attention à ça, parce que sinon bah, c'est 900 calories, ou je sais pas combien de calories qui partent quoi. Dans 3 minutes, on va attendre cuisson, hop là. Prendre, très bien, on va refaire de l'eau. Une heure 40. Voilà, donc là on a quoi sur nous comme viande, enfin comme nourriture, on a ça, 500, 7, là on va perdre parce qu'on n'a pas d'ouvre-boîte, mais ça on va pas les utiliser. On va pas les utiliser le gibier pour le moment, donc on va le... Il y a une tissu aussi là. On va le mettre à l'extérieur. Tout simplement, on va poser la viande à l'extérieur. Alors, le fait de poser la viande, tout ce qui est viande, poisson et tout ça, ça vous permet de les garder quasiment indéfiniment. Vous perdez genre 1% par jour. Donc voilà. Donc là on a deux bons morceaux de viande à 800 calories et 800 calories. Donc voilà, ça c'est très bien. Alors attendez, caisse. Voilà. Il y avait une autre caisse. Ah, mais ça c'est une caisse en... Okay, on remonte. Voilà. Honnêtement là on est très tranquille, on est très posé, c'est bien, t'as fondu dans 26 minutes, très bien. On va continuer à essayer de réparer nos vêtements, 30 minutes, ouais 30 minutes c'est bien. Ouais le problème bizarrement c'est qu'on n'a pas assez de tissu. C'est un peu étrange. C'est vrai que... Ah bah tiens, non, c'est normal qu'on n'ait pas assez de tissu. C'est parce que... Eau non potable, oui, dans 50 minutes. Bon. C'est tout simplement parce que... Je vais faire ça juste pour être large. Parce que j'ai un peu peur des fois. Si on perd le feu, on aura perdu le feu, quoi. C'est chiant. Il faudra le réallumer, c'est chiant. C'est parce qu'on n'a pas récupéré les tissus des autres cabanes. Vous vous rappelez les trois qu'on a visités au bord du lac? Ouais, donc du coup on n'en a pas. Faudrait qu'on y retourne et qu'on les récupère. Bon, bon, bon. Bah ça sert. Honnêtement, on est bien là. Là, on a récupéré. Je suis content. On a pas mal d'eau. On va encore avoir que 4 litres en plus. Donc, on a à peu près 15 litres, je crois, un truc comme ça. Ce qui est bien. Enfin, un peu moins de 15 litres. On va faire cuire les petits morceaux de viande qui restent. Elle a faim, donc on peut pas lire. Parce que ça, je voudrais bien les lire aussi. Mais vu qu'à la fin on peut pas le faire, on va les déposer aussi par terre, ceux-là, en bas, quand je me lèverai. On a eu celui-là, donc ça c'est pour améliorer les pistolets. Donc il y a bien, quand ils disent les armes à feu, il y a bien le pistolet, hein. Il y a le pistolet et le fusil. Parce que le fusil on l'a déjà trouvé, donc ça c'est cool. Donc on trouvera sûrement le pistolet un jour ou l'autre. On peut faire ça, Reishi. Bouillie dans 29 minutes. Je voudrais bien en fabriquer des tisanes. Je sais pas si on va avoir le temps en fait. Ok. Cuire. 10 minutes. 30 minutes. Alors 30 minutes, il nous reste 40 minutes encore. Au final, je crois que je vais finir par utiliser quasiment tout le bois. J'aime pas trop faire ça. J'aime bien garder un peu de l'avance. Oh, attends. Voilà, parce que sinon... 10 minutes. Temps de cuisson. On récupère ça aussi. Cuire. Ok, on fait d'abord un de chaque. Très bien. Merde, elle a besoin de bois. Encore une fois, je fais de la merde, c'est cool. Faites pas comme moi. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, essayez de faire cuire tout et n'importe quoi, parce que ça vous fait augmenter votre expérience, qui est là. Qui est quelque part par là. Voilà, c'est là. La cuisine. Donc, faites ce que vous voulez. Faites plein de choses. Genre, faites des tisanes et tout ça. Et de toute façon, c'est toujours bien d'en avoir des prêtes, en fait. Même si elles sont froides. Parce que les tisanes, vous pouvez les faire chauffer. Et ça vous donne... Hop, on va mettre ça là. Je sais pas si on a besoin de celle-là, on va peut-être prendre celle-là. Le reste on le garde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, même si, parce que les tisanes on peut les avoir chaudes, mais même si vous les avez froides c'est bien parce que comme ça du coup vous pouvez directement les boire en fait si vous en avez besoin. Si vous êtes malade et tout ça, hop vous prenez la tisane, vous la buvez. Pas besoin de la faire cuire, de la faire en fait, parce que là on est en train de la créer. Donc ça c'est important. On va en profiter au maximum. D'accord, je sais pas pourquoi tu veux pas. L'eau potable pour cuire cet objet. Ah, on n'a plus d'eau. Attendez. Ah, très bien. Et ça vous fait de l'eau aussi, donc bon, enfin c'est bien d'avoir des tisanes d'avance. Après on les déposera en bas. Ouais, on a tout ça. Moi, j'en garde toujours une de chaque sur moi. Et le reste, je les dépose tout simplement dans mes camps. Et voilà, et après, si vraiment je dois changer de zone, j'en prends les minimum 2 sur moi, de chaque. On sait jamais, hein, ça peut arriver qu'on en ait besoin. Mais voilà. Bon, là, on n'a plus de bois. Après, on a le charbon. On pourrait utiliser le charbon, mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment nécessaire. On est vraiment à la limite, hein. On est vraiment... On essaye vraiment de... 15 minutes, ouais, ça va pas être assez. De maximiser le truc, hein. Au maximum, là. Là c'est bon, là on a bien joué. On a très bien joué. Donc maintenant on a au moins à peu près 15 litres d'eau, je crois, peut-être voir un peu plus, je sais plus, je sais pas trop combien compter. Ça, on s'en sert pour petit bois pour le moment. On va manger ça, on va manger ça, on va boire et on est bon. On a notre fusil, on a des balles. Notre fusil qui pèse lourd. Ça aussi, il faut le poser en bas. Il y a plein de choses qu'on va poser. Hein. Il y a plein de choses qu'on va poser. Prendre... Poil. On va prendre le charbon. Très bien. Bah c'est bon. On a fait notre journée. Honnêtement, ça s'est super bien passé la rentrée. Pas des écoles. Mais là, on est top. Hein. On est vraiment top. Je suis vraiment très heureux. On va manger ça et l'autre truc. Alors pourquoi je mange la nourriture qu'on trouve en premier? C'est parce que ça pourrit en fait, tout simplement. Ça pourrit vite. Et il n'y a que vraiment la viande comme ça qu'on peut garder quasiment indéfiniment, quoi. Vous voyez qu'elle est à 99%. Et si vous la mettez... Et encore, c'est parce qu'elle est sur moi. Mais si vous la mettez à l'extérieur et qu'elle refroidit à l'air libre, elle restera encore plus longtemps. Donc du coup, mieux vaut faire ça. On a 650. Ah, très bien. Faudra récupérer des massettes en plus. Qu'on en a une petite réserve. Et voilà, on est bon. En plus, il va faire jour quand on va se lever. Non, c'est très bien. Faites voir un peu la vie. Ouais, il faut qu'on dorme un peu, beaucoup quand même. On va dormir une dizaine d'heures pour récupérer le plus de vie possible.